Licence, Fate, Grand Order, Goose Mike Company, Max Factory... C'est donc une Figma, la 381, avec Lancer. C'est une version féminine. Voilà, il y avait des précédents, effectivement, avec un masculin, que je n'ai malheureusement pas pris, j'ai raté les précommandes. C'est la même chose avec Gilgamesh ou autre. Il faudrait que j'arrive à les choper, un de ces quatre, quand même. Ça pourrait bien compléter la gamme. En tout cas, on a ainsi notre boîte violette. On voit le personnage... La lance, visage supplémentaire, à l'arrière différentes poses, comme on peut voir, et on déballe tout de suite. Petite chose amusante, quand vous avez une Figma, normalement vous avez un système prédécoupé pour le fond, pour les D-Stage, et bah ben là, rien du tout On se retrouve comme les bons vieux cartons de l'époque. Alors, est-ce qu'ils ont abandonné ce système de stand Je ne sais pas du tout, je n'ai pas fait gaffe aux infos, et ça fait également un moment qu'effectivement je n'ai pas regardé dans les dernières Figma arrivées. Nouveau système, le sachet dans le sachet, voilà, avec en même temps la notice dedans. C'est une méthode, pourquoi pas. Notre notice habituelle, c'est sûr que ça, vous avez en anglais, hop, euh, ici, et japonais de l'autre, qui va vous dire voilà, déjà la présentation de toutes les pièces qu'on a. On voit qu'on a pas mal de paires de mains, hein, ouvertes, fermées, voilà, de quoi tenir une arme, etc. Prolongateur de stand, articulation supplémentaire pour le poignet en cas de souci, ainsi de suite. Comment voilà, faire tenir en main. Et assembler la lance pour ceux qui se demandent ce qu'est b et c bah pareil je ne sais pas du tout faut pas oublier que c'est un proto voilà qui est présenté sur la notice donc ça peut différer les débats sur le net montrent les mêmes accessoires que moi donc, donc potentiellement c'est normal en parlant des mimines les voici donc pas de surprise au moins on en a pas mal ça c'est une très très bonne chose le stand, le stand hein, classique le bras d'articulation et Ainsi de suite. Alors, je pourrais pas vous dire exactement si c'est lié à son noble fantasme ou non, hein, ou si elle se bat avec deux lances, puisque euh, du fait euh, grand ordre, bah, je me contente simplement de la série. En tout cas, on voit que c'est magnifique. Le rouge champ, voilà, un petit peu métallisé, sublime, bien brillant. On voit que tout le corps de l'arme est c'est somptueux. Monté sur la figurine, voilà, on a le visage neutre. Puis, ensuite, on va avoir Colère, mais également avec un sourire, mais super léger. Bon, la figurine elle-même, hein, rien, rien de nouveau. On voit que la chevelure, bah, c'est toujours un peu la même, avec les points ici voilà, qui vont permettre un petit peu une petite articulation. On l'a déjà vu ailleurs. Ici, on voit voilà, que c'est en souple, avec un effet, ainsi, voilà, un petit peu de mouvement. Hein, donc, ça donne toujours un petit côté dynamique. Les épaulettes qui sont magnifiques, on a l'impression qu'elles sont en métal. Non, non, c'est bien du plastique. Une belle réalisation. La tenue, voilà, un violet du noir, magnifique. Les bottes. Alors après niveau stabilité, c'est vrai qu'avec les talons et surtout cette chevelure qui part un peu en arrière, du fait que vous avez justement le bas de sa tenue, ça a tendance un petit peu à la ramener effectivement en arrière. Figma sans surprise, du détail, l'articulation. Alors justement, je ne vous ai pas montré les possibilités, puisque je pense qu'au bout d'un moment, vous avez compris que c'est toujours un peu les mêmes. Il n'y a pas grand chose. Alors les jambes sont légèrement entravées, mais c'est pas méchant. C'est juste au niveau des épaules. Où effectivement, là, les mouvements peuvent un petit peu être gênés. Mais sinon, à part ça, voilà, ça reste toujours une réussite. Vraiment magnifique. Pas grand chose à redire, si ce n'est, voilà, amusez-vous. Et on se dit à une prochaine revue. Bye bye